Hey yo tout le monde, c'est TheMrGamer, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi, ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième mission de ce fameux Call of Duty 2 Big Red One. C'est parti, on va passer par le choix des chapitres pour vous montrer un petit peu, voilà. Donc la dernière fois, on s'était laissé sur Blindé, et donc aujourd'hui c'est le chapitre 3 avec le renard du désert. Voilà, allez, c'est parti. En même temps, je passe par le menu des sélections de chapitres, tout simplement pour pouvoir en faire la miniature de vidéo, tout simplement. Donc là, on a quitté la Tunisie et là, on est au col de Kasserine. C'est parti. Les renards du désert. Le renard du désert. Près de Kasserine, Afrique du Nord, 22 février 1943 à 9h10, pétante du matin. Il faut avancer toute la division, on dirait. Ça rigole pas. La 26e s'est fait avoir en beauté par Rommel et sa saloperie d'Africa Corps. Et nous, on est là pour changer la donne, c'est ça, sergent? Si on veut, Vic. Restez pas sur la route! Comme je le disais, les Panzers de Rommel ont écrasé la 26e avant de prendre le col. On sait pas pourquoi, mais ils sont repartis. Le régiment nous envoie pour reprendre le col et pour de bon cette fois. Des Panzers? Nos Stuarts n'ont aucune chance. On n'a rien de plus gros. Pas vraiment. On a réussi à récupérer des Half-Track armés de 75, comme ceux qu'on avait à Oran. C'est que ça me rassure pas vraiment, sergent. Je sais, Vic, mais il faut qu'on intervienne et vite. Quand on s'arrête, prenez des mines à l'arrière. On va laisser une petite surprise pour Rommel. Merde, on arrive trop tard, les chars sont déjà là. Là, si vous avez bien compris, on devait en fait aller aider une autre section qui était dans la merde. Et en fait, les chars sont passés et du coup, ben regardez, il y a 1, 2, 3, 4, 5 chars qui sont juste devant nous. C'est mort de rire. Allez, c'est parti, on prend le canon et on commence à tirer, voilà. Ça recharge. Le canon recharge plus vite qu'un char, hein, quand même, je tiens à dire. Allez, hop. Il faut 3 coups pour les détruire. Non, 4 là, what the fuck, qu'est-ce que c'est? 5? Si, bah attends, oh. Ah, c'est quoi ce char blindé là ou quoi? C'est un char Chuck Norris ou quoi là, wesh? On déconne. Ah, y'en a, c'est 3. Celui d'avant, c'était 3 coups. Et là, c'est 5 maintenant. Ah, c'est abusé. Je vois plus rien là, y'a tout partout. Voilà. 1. Hop. Allez. Le dernier. Voilà, c'est bon. Là, normalement, je crois que c'est scripté. Voilà, là. Hop. Là, c'est scripté. C'est détruit, c'est scripté. Je sais pas qui m'a détruit le machin, mais bon, voilà. Lui, il est déjà pété, donc c'est même pas la peine. Et maintenant, il faut se mettre à couvert là-dedans. Et défendre. Défendre la position. Là, il faut détruire. Enfin, il faut défendre la position jusqu'à ce que nos chars arrivent, en fait. Voilà. Donc, il faut attendre. C'est quoi mon arme là? Ah, j'ai que. Ok, j'ai que. Pour l'instant, j'ai que le M1. Ouais, pour l'instant, j'ai que le M1. Ok, là je vais devoir faire avec ça. Attends, je vais devoir faire avec ça. Hop, je vais juste récupérer vite fait. Hop, voilà, le petit MP. Histoire de. Mais où ils sont, nos blindés? S'ils arrivent pas bientôt, on va y passer. Continuez à tirer. Continuez comme ça. Hop, je vais récupérer vite fait les munitions. Hop. Voilà, tac, tac. Voilà, on récupère des petites munitions. Voilà, donc là, hop, c'est bon. Il y a les chars. Il y a les petits chars qui arrivent. Donc les Stuarts, comme je vous le dis. Et là, je vais vous montrer un petit easter egg qu'il y avait fort sympathique sur ces fameux petits
petit steward là, ce petit char. Petit char qui est en train de défoncer les gros chars. Tout au passage. Cette mission est très longue. Hein. Je vous avertis d'avance, bon, cette mission va être très très longue. Au moins 20 minutes. Hein. Au moins. C'était du bon boulot. Bon, on va voir ce qui se passe. Ok. Ah oh bah là j'avais une. D'accord, j'avais. Là j'avais ça, je l'ai même pas utilisé, je savais même pas en fait. Bon. C'est bon pour les mines pour ça. Donc là, hop, on va aller voir de suite un petit easter egg. Je pense que vous le voyez déjà de là. Effectivement, sur le char, il y a une petite étoile. C'est l'étoile de Mario. Et oui. Vous voyez juste là. En jaune. Petite étoile de Mario. Ouvre une voie vers le champ de mine. Ça grouille de boche par ici, sergent. C'est qu'on commence à avoir l'habitude, vieux. Merci, les gars. Bon, vous avez entendu? Vous allez escorter les hommes du génie. Une simple escorte. Vous pas les héros, j'ai besoin de vous en vous vie. En vie. Donc, c'est parti, on va. Oh. Cheveux dans la bouche. Là toute la journée. Allez, on bouge. On va du coup aller escorter l'équipe du génie. Donc l'équipe du génie, c'est une équipe simplement de des mineurs. Vous de mineurs plutôt. Pas de mineurs avec la pioche, tu vois. Non, les des mineurs. Et pas le jeu des mineurs sur Windows. Oh, oh, blague de merde. Non, sans déconner. En fait, ce sont l'équipe du génie, c'est les des mineurs, les explosifs. Voilà, ceux qui s'occupent de la démolition, on va dire. Voilà. C'est ça l'équipe du génie. Et c'est pas les équipes du génie de Aladdin hein, dans la lampe génie. Oh, bon, là on arrête des blagues de merde. Et on se concentre un petit peu sur le. La mission. Voilà. Donc là, je crois que c'est la première fois que je prends une MP. Une MP40. Ouais, c'est la première fois que je prends une MP40. Je vous montre un petit peu toutes les armes que vous proposez ce jeu. Histoire de que vous voyez un petit peu tout ça, quoi. En même temps, c'est censé être une vidéo où je vous fais découvrir un petit peu le jeu, tout ça, donc ouais. Je crois qu'ils sont tous morts. Bingo, ils sont tous morts. Allez, c'est parti, on avance. Mitrailleuse allemande, je vais le faire avec ça. Ok, c'est bon, on repasse sur ça. Hein. Récupérer de la santé, des munitions. Là, il y avait des grenades. Hop. Allez, on est reparti. Youhou. Donc là, il faut avancer en fait abri par abri parce qu'il y a une MJ-42 qui me tire dessus. Donc il faut que je couvre mes gars pendant qu'ils foncent tête baissée sur l'objectif entre guillemets hein. Oui, en recharge. On peut rien faire tant que ces blindés seront là. Les bazookas des Bosch n'ont pas raté nos Sherman. Je me demande ce que ça donne sur leur propre blindé. Ok, donc là il faut récupérer, hop, le bazooka, premier bazooka qu'on voit dans le jeu. Hop, c'est un Panzer machin, je crois. Un Panzer Shrek. On va voir ça de suite. C'est bien Panzer Shrek, donc hop. Hop là, il m'a mis cher. Et en plus, il m'a tiré dessus, ça m'a fait tressailler, du coup mon tir est parti en l'air. C'est super. Faire les munes. Donc eux, il leur faut deux coups pour être détruits en fait, voilà. Voilà, encore un. Parti. Attention parce qu'il m'arrache bien la santé quand il me tire dessus en fait. Hop, bah c'est bon. Là. Hop, tac. Alors. Là, ensuite il y a l'UAPT aussi, je m'en rappelle. Ah bah raté. Tiens. Là, le temps de recharger, ça dure mais des plombes, bon.
Il est pas mort. Allez, recherche. Ok, c'est bon. Bon, allez. Vous êtes pas les enfants de cœur, vous. Moi, je récupère ma MP. On a plus besoin du, on a plus besoin de ça. Du Panzer Shrek. Je crois que c'était des... Ah, c'est des mines. Ouais, c'est des mines. Tireur embusqué, à couvert. Je crois que je, le vois. Bougez pas. Je crois que je l'ai eu. Ça aussi. La première fois que j'avais vu ça, ça m'avait tué. Quoi. Tu es meilleur tireur que moi. On va garder. Il y en a encore un. Il y en a encore un. Qui est. Qui est. Qui est. Et qui est là en fait. Hein. Ah. On va garder le Springfield. Alors, au boulot. Allez, on a pas toute la journée. Nouvelle arme d'ailleurs. Une mitrailleuse de 50 sur cette Jeep fait un tir de suppression pour gagner du temps. Ça, c'est des mines. J'espère qu'elle a encore quelque chose dans le ventre. Qui n'ont pas explosé à l'arrivée de la Jeep. C'est bizarre, c'est moi. Hop, là on récupère ça et on défend encore une fois la position, voilà. Le temps que nos gars arrivent en fait derrière, donc voilà. Allez, c'est parti. Tire sur cible, allez hop. Hop, bah là on a nos blindés qui arrivent derrière, donc c'est super, voilà. Voilà, qu'est-ce que c'est? Pendant ce temps, vous voyez, il faut couvrir l'équipe du génie qui est en train de désamorcer les mines. Donc c'est pour ça en fait que qu'on devait les sécuriser, pas les sécuriser, les escorter pour qu'ils puissent faire ça tranquillement. Et c'est la première fois d'ailleurs que je vois qu'ils sont en train de désamorcer les mines, parce qu'avant j'avais jamais remarqué, voyez-vous. Donc là c'est bon, maintenant ils ont fait passer pour les chars quoi. Voilà, c'est bon. Hop, on descend. Et... voilà. Non, la section elle est là-bas. Hop, récupère ça, voilà. Là, il y a Hawkins. Je pouvais compter sur vous. Une vraie partie de plaisir. Les Allemands ont capturé nos postes d'artillerie de l'autre côté du col. On doit les reprendre pour que nos chars puissent passer. Oh, oh putain Kelly, oh putain j'ai eu peur, j'ai cru qu'il avait explosé, j'ai dit what. Je l'ai dit. Sur un village abandonné dans les il s'était juste baissé. La route qu'il traverse vous mènera à nos postes d'artillerie. Kelly, vous les accompagnez. Ok bah c'est parti alors hein. Donc Kelly qui n'était pas avec nous en fait, il y avait juste Dunley. Et je sais même pas s'il n'y avait pas Brooklyn. Il y avait O'Brien. Enfin, il y a Denley maintenant, Kelly. Et je crois que Brooklyn n'est même pas là. Bloomfield là, Brooklyn n'est même pas là. Alors c'est vrai que des fois ils y seront pas tous, hein, les membres de la section. Chose étrange, mais bon, après moi. C'est comme d'ailleurs dans mes souvenirs, il y a en fait. Tu as encore des charges explosives. Son et il y a un autre personnage qui va arriver plus tard dans l'aventure. Et il me semblait qu'il était présent dès le départ en fait, mais non, il n'est pas présent dès le départ. Merde, O'Brien, t'aurais pu prévenir avant de tout faire péter. Faire sauter. T'es malade. Et il a dit qu'il avait assez de compte B pour, enfin d'explosifs pour faire un trou jusqu'en Chine. Là, t'as Kelly qui lui dit ouvre, fais juste péter cette porte, ça suffira. Et en fait, il a tellement mis d'explosifs que ça a fait un putain de bruit, un putain de vacarme, ça a tout fait péter. C'est rigolo ça aussi.
Oh mon dieu, un buff. Voilà, on avance. Doucement mais sûrement, comme dirait l'autre. Oh merde. Oh purée. Oh purge. Quelqu'un là. Il est là. Allez. Passer par le côté. Ah, j'ai plus de merde, j'ai plus de vie, mais regardez. Attendez, faut que je trouve de la vie là. Ouais, ça va mal là, ça va très mal. On est juste là de la vie. Je récupère. Faut que je regarde mon indicateur de santé parce que j'ai du mal à. J'ai du mal à me dire qu'il faut que. Faut que je sois bien attentif à ça pour ne pas me faire avoir. Après les balles du Springfield, on en a plus parce qu'en fait c'était plus basé pour les snipers juste avant. En fait, on n'était pas censé le garder, le Springfield, mais bon, moi je le garde parce que bon, c'est bien d'avoir un Springfield. Et voilà, ils utilisent notre artillerie contre nous. Voilà, donc là en gros, ici c'était la fameuse zone où on devait normalement venir aider nos collègues. Sauf que nos collègues sont morts et en fait, ce sont les Allemands du coup qui ont récupéré, en fait, qui ont pris la position et qui ont pris justement notre artillerie pour s'en servir contre nous. Donc voilà. Effectivement, c'était une bonne idée de leur part. Je vous le confirme. Je vous le concède. Oups. Attends, on va lancer une petite grevère là-bas. Voilà. Hop, on va descendre. Aïe. Putain, pourquoi je me prends trop de dégâts, moi? Ah, putain de merde. Ah, purée. Allez, on gaspille les munitions Springfield, allez. Bon, ok. Attention, il nous cherche celui-là. Celui-là. De la santé, oui, de la santé. Donc ça, c'est pas une des nôtres, je crois. Je sais pas si c'est une des nôtres, ça. Bon, enfin bref, on avance. Hop, je prépare la grenade, je sais ce qui m'attend ici. Hop, voilà. Ouais. Ok, c'est bon. Hop, on prend ça. Je vais lancer une grue ici. Hop. Et toi. Bang. Super. Allez, on y va. Normalement, tout le monde est mort. J'espère. Ah, c'est bon. Allez, toi. Putain, prends-toi ça. Ah, c'était facile à l'époque, hein, pour poser les bombes aussi sur les machins, tu fais, t'appuies sur une touche, boum, la bombe se pose, même pas si tu la prends, tu la mets, non. Tu regardes le bidule là, tu bouffes, une bombe spawn dessus et c'est bon. Et tout qui explose. Pas besoin de minuteur ou de trucs à l'ancienne où tu appuies comme ça, boum, y'a tout qui pète, non, y'a pas besoin de ça. Ou des machins, tu tournes comme ça, y'a tout qui, non, y a pas besoin de ça, y'a pas besoin. C'est automatique. Tout était automatique à l'époque, tu as vu? Voilà, c'est comme maintenant, ça n'a pas changé, c'est automatique. Il fait quoi lui au fond là? Il fait quoi lui au fond? Oh putain, mort de rire. Et lui il fait quoi? Il se promène lui depuis le débat. Lui il se fout de notre gueule en vrai. Depuis le début de la mission il se promène. Entre les pattes. Allez, on rentre au camp. Vous avez mérité un bon pare-chaud. C'est un fou à Hawkins. Et là de là-bas, il fait la statue. Ah, mon dieu. Eh bien, c'est sur ça que nous allons nous quitter pour cet épisode 4. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en description si c'est le cas. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos. C'était Mr. Gamer à vous les studios. Yeah! Je sais pas pourquoi je fais ça, en fait. C'est ridicule.
Oui, on va arrêter de faire ça, c'est vraiment ridicule. Bref, ciao tout le monde.